Bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez l'importance. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce lundi 24 juillet 2023. J'ai sélectionné pour vous, les amis, les dernières actualités crypto à ne surtout pas louper. Et au programme ce matin, première news, alerte crypto, la sec en colère contre Ripple XRP. La décision de la cour contestée, Gary Gensler, il est pas content. Deuxième actu ce matin, vol massif de crypto au Canada. Les millionnaires sont dans la pamade et se font directement voler chez eux, c'est hallucinant. Troisième news ce matin, Elon Musk annonce que Twitter va devenir ex et vous allez payer sur Twitter. Quatrième news, le taux du livret à 3% fait exploser l'épargne en France, on va découvrir pourquoi. Et cinquième et dernier news ce matin, le Royaume-Uni lance un incubateur numérique révolutionnaire, rien que ça. On va regarder toutes ces dernières actualités, les amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pppppp, me lui taper ces petites fesses et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à foufait. Et je veux que tout le monde y s'abonne à la chaîne à vous vies Les amis, c'est parti <laughs> Les amis, première nous ce matin, alerte crypto, la sec en colère contre Ripple XRP, la décision de la cour... Contesté, on nous dit dans une nouvelle saga de régulation financière de crypto, la SEC des États-Unis conteste une partie de la décision judiciaire concernant la société Ripple et sa crypto l'XRP. L'organisme de réglementation a fait part de son désaccord à une cour fédérale, indiquant qu'ils envisagent de faire appel. Donc c'est peut-être pas tant gagné que ça pour Ripple. La SEC a déclaré dans un nouveau dépôt pour son procès contre Terraform Labs et son cofondateur Don Woh, que certaines décisions de la cour dans l'affaire SEC contre Ripple concernant XRP étaient Incorrect. La réglementation financière américaine souligne en particulier que les parties de la décision relative aux ventes programmatiques et autres sont erronées et nous disent Respectueusement, ces parties de Ripple ont été décidées de manière erronée et cette cour ne devrait pas les suivre. Le personnel de la SEC envisage les différentes voies possibles pour un examen plus approfondi et a l'intention de recommander que la SEC demande un tel examen. Et voilà, Gary Gensler, président de la SEC, a déclaré que le régulateur était déçu par la décision concernant les investisseurs de détail après le jugement du XRP et Ripple. Les investisseurs de détails, c'est vous et moi. Pour les institutionnels, ils vont pouvoir bien taper dedans. Mais pour les investisseurs de détails, ils ont dit « Non, c'est bon, c'est pas une sécurité. » Il est pas content. La SEC a fait cette déclaration en réponse à un dépôt plus tôt cette semaine de la part des avocats représentant Terraform Labs et One qui cherche à faire rejeter le procès du régulateur. En février, la SEC a déposé une plainte contre Terraform Labs et One, les accusant de participer à un schéma frauduleux et de vendre des titans enregistrés comme à peu vrai tout le monde. Les avocats de Terraform Labs ont décidé le jugement de Ripple comme un soutien pour leur motion visant à rejeter le procès. Ils ont déclaré que la décision de Ripple confirme l'insuffisance juridique de l'argument de la SEC selon lequel certains tokens, y compris la stablecoin, échouée leur Terra USD étaient des titres. Ils disent que la décision de Ripple confirme l'insuffisance juridique de l'argument de la SEC. Bon, on va voir si ça va marcher à tous les coups, hein. ça peut-être pas marcher à tous les coups. Bon, et malgré la célébration de la décision par la communauté crypto par rapport à, à l'affaire Ripple, certaines voix prudentes ont émis des avertissements. L'ancien chef de l'application Internet de la SEC, John Red Stark, et l'avocat Brian Jacuto à présent que la décision repose sur des bases incertaines et avertissent. Que la décision pourrait être renversée, donc attention à la SEC, qui nous font pas une petite surprise derrière. Deuxième actu ce matin les amis, vol massif de crypto au Canada, les millionnaires sont dans la pas mal, ils se font directement taxer chez eux, tu vas voir c'est hallucinant, on nous dit que la police du Canada, dont certaines branches sont associées à Chain Analysis directement, une société d'analyse en chaîne qui est réputée, a récemment signalé une tendance alarmante de vol par intrusion dans les domiciles de grands investisseurs crypto dans le pays et oui toi tu te dis, ah c'est bon avec les wallets et tout, on sait pas qui on est, mais finalement il y en a qui arrivent toujours à retracer un peu les choses. Et donc, les suspects se font passer pour des livreurs ou des personnes faisant partie des autorités pour pénétrer chez les victimes et obtenir des informations leur permettant d'accéder aux comptes crypto de ces derniers. Bonjour, je m'appelle Marcel Patulacci, je suis envoyé par le FBI. Je vais ouvrir votre porte et me dire si vous avez des crypto-monnaies, me donner votre code PIN, s'il vous plaît. Bon. Ces incidents ont été notamment signalés dans les villes de Delta et de Richmond. Et d'après la déclaration du sergent d'état-major des services d'enquête de la police de Delta, monsieur Gilles long Patulachi, les suspects sont bien informés de l'implication des victimes dans la crypto et connaissent leur adresse. Ah oui, ça va loin. Hein. Ils nous disent, les suspects semblent savoir que les victimes sont très investies dans la crypto. Ils savent où elles vivent et viennent les dévaliser chez elles. Ah oui, c'est pas très gentil. Il semble que quelqu'un cible ces personnes pour leur voler des cryptos. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de diffuser une mise en garde dans l'intérêt de la sécurité publique. Voilà. C'est le sergent d'état-major euh, du groupe de crimes majeurs qui a... Qui nous dit ça et leur cible les baleines c'est assez ah, bon ça sera pas moi c'est à dire les investisseurs détenant d'importantes quantités de crypto une menace croissante que la police canadienne a tenu à signaler et dans un rapport à un expert crypto les autorités ont fait des recommandations aux investisseurs crypto afin qu'ils optimisent leur sécurité genre le 2FA code wallet multisig et compagnie tout ça c'est des bons conseils à prendre et il semblerait que le flot qui traverse le Canada soit bien rodé, comme l'explique un communiqué de presse de la police destiné à une diffusion massive. Et nous disent, les policiers souhaitent rappeler à tous et à tous, qu'ils qu soient de gros investisseurs en crypto ou non, qu'il existe des moyens d'éviter d'être victime d'actes criminels. Donc en gros, il nous dit, si un livreur ou quelqu'un prétend euh, faire partie des autorités et veut rentrer chez toi, tu dis non, faut garder tes objets de valeur dans un lieu sûr, un coffre fort et compagnie. faut pas discuter de questions financières avec des personnes que tu connais pas. Il faut être prudent. Et faire ses propres recherches ou en investir. Bon. Et donc des conseils sains qui nous rappellent trop l'importance de la sécurité de nos bel écosystèmes qui par croissance attire de plus en plus de d'esprits de, de, malveillants. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Sécurité maximum comme d'habitude. Et donc, cette recrudescence de vol ciblant les personnes publiques qui détiennent des cryptos n'est pas anodine. Le Canada était plutôt bien classé parmi les pays dans une régulation clémente envers les cryptos. En 2022, le pays s'est classé 22e dans le Global Crypto Adoption Index de Channel Analysis contre la 26e position en 2021 et 24e en 2020, comme nous l'explique The Block. Et donc, réellement de faire dans un gant de velours, cependant, l'approche réglementaire stricte du Canada envers l'industrie de la crypto a entraîné la fermeture de plusieurs échanges tels que Binance dehors, Bybit dehors, Allez, ces derniers mois, la société crypto, les sociétés crypto sont désormais tenues de demander l'approbation des autorités canadiennes en valeur mobilière, ce qui soumet à des contrôles rigoureux, malheureusement. Et donc, la police canadienne signale une tendance émergente de vols ciblant les grands investisseurs en crypto dans le pays. Tel l'adage, vivons heureux, vivons cachés. Oui, il est important de ne pas divulguer publiquement ces investissements et de s'assurer que ces comptes crypto soient bien en sécurité. Une petite ledger ou un petit clé de trésor ou ce que tu as envie, c'est quand même pas trop mal. Les amis, troisième news ce matin, Elon Musk annonce que Twitter va devenir X. Et il est content parce qu'il adore la lettre X. Notre ami Elon Musk. Et depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, de nombreux changements sont opérés sur le réseau social. L'annonce de la potentielle modification du nom Twitter en X marque définitivement maintenant une rupture avec l'ancienne direction. Et ouais, donc Twitter fini. Bienvenue à X. Elon Musk n'a pas caché son intention d'utiliser Twitter comme un levier pour accélérer la création de sa marque X, il expliquait notamment en avril dernier que la nomination de Linda Yazzarino comme directrice générale du réseau était un moyen de transformer Twitter en X, l'application de tout, au moins c'est réglé. Et au-delà de Twitter, Elon Musk veut connecter toutes ces entreprises grâce à l'utilisation de cette lettre, que ce soit au travers de sa célèbre entreprise de voitures Tesla où la lettre X est omniprésente, ou que ce soit par le biais du développement de son intelligence artificielle qui se nomme XAI, Elon Musk donne une importance capitale et crée un empire s'articulant autour de X. Donc c'est marrant, hein il veut mettre du X partout, tout simplement. Tu vois, sur Twitter, il a changé le logo X maintenant. Et donc, dans un tweet publié en début de journée, hier, Elon Musk explique simplement que la plateforme dira bientôt adieu à la marque Twitter. C'est puissant, hein. On pensait pas que alliez dégager le nom de Twitter comme ça. Et petit à petit, euh, il va dégager tous les petits oiseaux bleus. Et d'ailleurs, dans une réponse à ses followers, Elon Musk explique que le nom de domaine de Twitter changera également pour incorporer la lettre X. Ah ouais, donc Twitter, poubelle, quoi. Vraiment, il change tout. Et au-delà du changement de nom, le logo Twitter sera également modifié à l'effigie de la lettre X, et bien qu'il ne semble pas y avoir pour l'instant le choix définitif sur le nouveau visage du réseau social, Elon Musk explique qu'une modification pourrait arriver à tout moment. Et en ce se sens, dans un tweet, ce dernier ajoute que si un logo X est assez bon et proposé ce soir, nous le ferons vivre dans le monde entier dès demain. Et quelques minutes plus tard, Elon Musk a également partagé une courte vidéo d'un logo X avant de l'épingler à son compte Twitter yeah, X. Voilà à quoi ça va ressembler. Et donc en parallèle de cette révolution à venir, et oui révolution, c'est plus Twitter, c'est X. Le Twitter a également annoncé la limitation du nombre de messages privés par jour pour les utilisateurs classiques. Cette décision est dans la continuité de nombreuses précédentes et porte certainement l'ambition de promouvoir le certificat payant Twitter. Ah oui, en gros c'est. Tu vois, tout ce que tu avais avant, tu peux faire ce que tu veux. Et bien maintenant, tu vas faire moins. Et si tu veux faire comme avant, il faut leur payer. Il est là pour du pognon. oui, euh, Elon Musk, il n'est pas là pour la charité. Hein. Il va utiliser Twitter au maximum pour faire du pognon. Et donc, la justification officielle est la réduction des spams par message privé. Mais bien sûr. Et pourtant, comme l'indiquent de nombreux utilisateurs de la plateforme, des paramètres existaient pour pouvoir réduire considérablement, voire totalement la présence des spams dans les messages privés. Et depuis plusieurs mois, Twitter enchaîne les décisions controversées. Beaucoup sont pas contents. Néanmoins, malgré l'agacement affiché par de nombreux utilisateurs, le retrait de nombreux annonceurs, Elon Musk semble déterminé à persister dans cette direction contre vents et marées. Oui, c'est pas trop le genre à écouter. Lui, il a, il décide un truc, il le fait. Et puis, c'est fini. Quatrième actus ce matin, le taux du livret A 3%, mais ça y est, j'arrête les cryptos, j'arrête tous les investissements, je mets tout dans mon livret A, fait exploser l'épargne en France, on va découvrir pourquoi, on nous dit que le taux de rémunération du livret A devrait rester stable à 3% les 12 prochains mois, mais on va tous devenir riches, ça y est, cette nouvelle a suscité un engouement sans précédent des Français pour ce moyen d'épargne, et oui, Voici le taux livré à 3% et les Français crient « Ouais, génial Allez, on arrête de brûler la France, on met tout dans le livret trop on est trop content. Et donc la Caisse des dépôts a enregistré une collecte record pour le livret au premier semestre de cette année. Mais pourquoi les Français sont-ils aussi nombreux à épargner leur argent Parce qu'ils connaissent pas la bourse, ils connaissent pas les cryptos, ils connaissent que ce, le placement en banque, c'est pour ça. Euh, quelles sont les raisons qui les poussent à préférer l'épargne à la consommation Bon ben ça, parce que ben... Et, quoi, ils peuvent épargner, ils épargner. Et le livret A est devenu une référence en matière d'épargne à court terme. Ouais. Selon l'économiste Philippe Crevel, <laughs> il n'a pas mieux aujourd'hui que le livret A pour de l'argent à court terme. Et en effet, le premier semestre 2023 a été marqué pour une collecte record de 25,84 milliards d'euros déposés sur ce compte d'épargne. Waouh. Les Français semblent donc privilégier cette solution pour sécuriser leur argent. Ah, ils, ils connaissent pas grand-chose d'autre. Hein. Si certaines épargnants cherchent un meilleur tout, ils doivent prendre des risques en se tournant vers des valeurs fluctuantes en fonction des marchés, explique Philippe Crevel. Bah ouais, mais bon, hein. la bourse c'est pas le truc le plus fluctuant du monde aussi. Hein. Toutefois, les Français restent réticents à prendre ce genre de risque et préfèrent donc le livret A pour sa stabilité. Il s'agit là d'une solution sûre pour leur argent en court terme. Bah, tu me diras, le bitcoin depuis un mois, hein, il est limite plus stable que le livret A. Bon. Et donc, le contexte économique incertain en France a poussé de nombreux Français à changer leurs habitudes de consommation, à privilégier l'épargne. Bon, ça, c'est pas mal. Et selon Philippe Crevel, les Français épargnent parce qu'ils ont peur de l'avenir. Bah, vu tout ce qu'on se prend en inflation, c'est un peu normal. Cette anxiété découle des difficultés économiques actuelles et l'incertitude quant à l'évolution du pouvoir d'achat. Et les ménages français ont épargné près de 18 de leurs revenus depuis le début de l'année. Alors c'est pas tout le monde. Hein. Et le livret A bénéficie. En premier lieu de cette épargne, le taux de rémunération du livret a augmenté à trois reprises atteignant maintenant 3 ouais, cette augmentation a renforcé l'intérêt des épargnants ce produit d'épargne. Cependant, il est important de souligner que tous les Français ne sont pas en mesure d'épargner. Eh ben oui, en plus avec l'inflation qui éclate tout le, le prix de tout le monde dans ce qu'on va euh, faire ses courses, bah c'est pas tout le monde qui peut épargner, les plus modestes puis souvent dans leur épargne, lorsque celle-ci existe encore, ce sont principalement les 20% les plus riches qui alimentent l'ivrea. Donc en gros les 80% restent bah, ils mettent rien dans l'ivrea, tu vois. Et dernière actu ce matin les amis, le Royaume-Uni lance un incubateur numérique révolutionnaire. Attention tiens-toi après cette révolution. C'est l'autorité de conduite financière du Royaume-Uni, la FSA, qui est aux commandes de cette initiative pionnière. Et après deux tests pilotes réussis, la FSA a décidé de pérenniser cet environnement expérimental dès le 1er août 2023, donc dans pas longtemps. Et désormais, toutes les entreprises innovantes, de la start-up aux fournisseurs de données pour attester, peaufiner ces produit à un stade précoce de leur développement. Les régulateurs seront également initiés aux nouveautés dès leur première étape pour observer les essais techniques en cours. Mais là, tu me dis, mais Foufi, c'est quoi Foufi? Mais attends, je vais te le dire. Et lors de la seconde phase pilote, une attention particulière a été portée à la performance en termes de durabilité des projets, y compris l'utilisation des registres décentrés et respectueux de l'environnement. Cela témoigne d'une volonté claire d'inscrire cette initiative dans un cadre respectueux de la planète. Une préoccupation désormais au cœur des enjeux financiers pour pas se faire trop taper dessus par Greenpeace aussi. Et donc, la sandbox numérique ne se contente pas d'être une simple plateforme d'essai, c'est aussi un véritable incubateur d'innovation. Les participants bénéficient d'une plateforme sécurisée pour expérimenter. Ils auront accès à plus de 200 jeux de données et plus de 1000 API pour tester et valider leur innovation. Donc en gros, on te met à disposition une plateforme avec plein de choses, donc ça c'est bien. Et encourageant l'innovation et la croissance, cet incubateur numérique a déjà permis plus de la moitié des PME participants lors des tests pilotes à faire des avancées significatives. Et oui, on t'a préparé plein d'outils, donc ça te facilite les choses. C'est bien. Et le lancement de nouveaux produits, la sécurisation du financement et de partenariats, ainsi que la réception de récompenses ou reconnaissances de l'industrie, euh, en, en sont autant de preuves et avec un processus d'approbation de 4 semaines seulement. La sandbox numérique est prête à recueillir une nouvelle vague d'innovation dès le 1er août et cette initiative de Royaume-Uni n'est pas seulement un pas en avant technologique, c'est un pas vers le futur où la finance et le digital se conjuguent pour construire un monde plus équitable et durable. Ouais, c'est beau Qui sait quel horizon nouveau ces graines d'innovation vont-elles L'avenir est à portée de main et il s'annonce passionnant. Alors ça c'est beau, on a vu que beaucoup font ça, Google Cloud et plein d'autres font une espèce d'incubateur pour les entreprises cryptos. Alors ils font pas ça pour l'amour de la crypto, ils font ça parce qu'il suffit qu'ils incubent une entreprise qui fait tout the moon, qui devient une licorne, ils s'en mettront plein les fouilles aussi. Voilà pour les actus ce matin les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne journée, on se retrouvera ce soir pour la vidéo, la crypto émission comme d'habitude avec analyse I -coin, euh, e euh, Bitcoin, Ethereum et un peu de macro. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à ce soir, bye bye <laughs>